1, 2, 3. Bonsoir à tous. Me saoule. Me saoule. J'espère que je ne me suis pas plantée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, du mieux que vous avez pu. Et ben moi, c'était pas joli. Que je me trompe là. Si je me trompe, ça va me... Hors caméra, je l'avais le truc. Hein. Couper mes bâtons, mes piques brochettes, je les ai coupés pour être plus tranquille. Bref, allez. J'espère que c'est ça. Désolée pour mes ongles, c'est pas sale, c'est de la terre. Je précise. La terre n'est pas sale en elle-même. Puis je me nettoierai encore mieux après. C'est pas sale. N'ayez pas peur. A pas peur, a pas peur. Je me brûle les doigts. Hein. J'en ai mis du temps à décider qu'est-ce que je voulais faire. J'espère que je vais y arriver. À un moment donné, je ne pouvais pas réfléchir du tout à faire ce genre de choses-là. Vous savez, on n'est rien du tout. Hein. C'est quand on n'est pas bien, on voit qu'on n'est rien du tout, beaucoup. Là. Alors, est-ce que comme ça? Non, je vais faire comme ça. Ah, non, tu vas pas partir, toi. Si je fais des mini-carreaux, je suis pas encore sortie de l'auberge, comme on dit.
Sinon, ben, je ferai la vidéo en deux parties. Je remercie toutes les personnes qui disent de prendre mon temps, de s'il faut, de le faire en deux parties. C'est un mauvais stress et c'est pas bon pour moi, pour ce que j'ai surtout. Qu'un jour je vous marque, il n'y a pas que ça, mais ça joue beaucoup. Je vous marque, ça porte un nom. Mes souffrances, ça porte un nom, si on peut porter un nom, bien sûr. Allez, tu colles bien. Ouais. Les ongles, ça sert pour enlever les petites choses en plus. Après, tu coupes. Donc, ah, j'ai oublié, je voulais faire le carreau. Oh, crotte, crotte de bique. Crotte de bique. Qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait office de carreau? Tu m'entends sans répondre? Tu peux ouvrir la porte une minute? Sur la bibliothèque, côté angle, comme ça sur la droite, tu verras, sur le côté, j'ai mis deux hauts de boîte. Tu sais, les tomates cerises à 99 centimes, là, ça fait comme une fenêtre, un plastique. J'ai découpé avec le carton, avec le dessin des cerises, des tomates cerises. J'ai oublié, c'est ça que j'ai oublié. Là, ça peut faire office de carreau. C'est bien. Bah oui. Bah oui, il m'en faut. Bah oui. J'espère que sinon je ferai la vidéo en deux fois. Oh, j'ai mal à l'estomac. Mais... Là. Merci. Oui, vous avez des emballages alimentaires ou dans le bricolage, c'est même plus épais, gardez-les, ça vous pouvez vous en servir. L'autre, je vais la mettre là. Là, ça va servir pour faire ma petite fenêtre. Impeccable. Bah oui. C'est ça que j'ai oublié d'emmener. Là n'importe comment, j'ai pas besoin du haut, j'espère que cette fois-ci je vais cadrer, hein. Quand on me dit qu'on voit pas que je cadre mal, ça me perturbe. Et que vous voyez clair, en tout cas moi j'ai un flash en pleine figure. Hop. Faire la taille de la fenêtre.
après on coupe. C'est mieux. Hein. Voilà. Ah oui, que ça fait carreau. Ah bah oui, on dirait qu'il y a des carreaux, je vous assure. Ça fait une différence. Hein. Bon, maintenant, il faut le coller. Je vais découper ça comme un cochon aussi. On voit pas clair, hein. Comme ça. Ouh là là, j'ai pas besoin de tout ça de colle moi. Là, faut bien mettre à plat, hein. Faut pas rater ton coup. Là, ça les fils du pistolet à colle. Hein. Ah, voilà, super. Voilà, là c'est carreau. Sinon ça fait courant d'air. Hein. Voilà. Déjà les petites fenêtres pour 12 minutes. Je ne regarde plus l'heure. C'était la première fois là. Je ne regarde plus l'heure. 12 minutes et 22. Là, je me concentre. Ah, ouais, dans deux ou trois jours, faut que je refasse l'aspirateur. On va mettre à quatre pattes. Un coup de nettoyage. C'est dur de se baisser comme ça, t'as pas le tuyau. C'est bien, c'est les tout petits aspirateurs tout légers à balai, les tout simples, les anciens, je vous parle, pas les tout modernes là. Ça serait largement suffisant pour ici. Parce qu'à quatre pattes, je vous dis pas, hein. Me pencher, ça fait mal. Mais bon, je veux que le petit fil y parte de la colle là. Qu'est-ce que tu viens faire ça sur mon carreau toi? Hop, tu files, toi aussi là. Hop. Je crois que le carreau il est cassé, non mais. Voilà. Après. Donc ça, il sera où? Je vais coller devant, donc ce sera le devant. Donc je vais y mettre le petit rideau et ça fera comme ça. Voilà. Faut que je coupe ce qu'il y a en plus. Une petite chute qui servira. Hein. Oh oui. Hop. Allez, on y va. Le haut, le bas, c'est pareil. Il y a pépère. Nénette ? Boulette ? Ouais. Faut pas. Ah, faut pas parler, purée. Ben parle. Hein, si tu veux. Moi, j'arrête pas ma vidéo. Hein.
prévenu, hein. Donc, c'est bon là. Pas me stresser, certainement pas. Et hop. Attends, faut pas que je fasse les dessins à l'envers, non? Ils sont pareils. Oui, un envers. Et oui, il faut faire attention avant de coller. Et oui, donc comme là, voilà, je le colle là, donc comme ça. Heureusement que j'ai regardé. Je te dis que je filme. Et hop, là faut pas louper, petit rideau, là, ouais. Je vais coller en bas, bien sûr. J'espère qu'on mettra le... On verra le double rideau. J'ai envie de mettre un double rideau. J'espère. Petite chute, hein. Ça sert ça. Je crois voir quelqu'un. Détends-toi, Annie. Allez, pense que à ce que tu fais. Mon ciseau qui colle plus, il est où? Pas me brûler les doigts. Ah, tous ces fils. Ça fait vraiment comme il y a un carreau, hein. C'est bien. Ah. Mettre mes petits fils dedans. J'espère que vous voyez quelque chose. Fini, hein, je vous le dis. Alors ça, j'ai dit c'est l'arrière, ça c'est le devant. Est-ce que l'arrière, on va voir. Peut-être en faisant froncer. Bon, on va voir, hein. Droit quand même. Avec les ces bâtons en bois qui sont pour la petite maison dans la prairie, mais voilà, comme j'en ai pas, ben, j'utilise cela. Là, c'est en bois. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, c'est cela. Mais bon, il m'en faudra au moins 4 paquets comme ça. Hein. Au moins. Pour la petite maison dans la prairie. J'ai dit tant pis, je vais l'utiliser, ce paquet. Alors c'est pas évident de filmer que vous voyez en même temps. Et ça fait de l'ombre.
Désolée, j'ai des gros doigts. Donc, ne me dites pas, on voit que tes doigts. On peut pas faire autrement, hein. Peut pas amincir mes doigts. Là, ça serait bien, hein, pour faire ces choses-là, avoir des doigts tout fins. Ça doit être bien, dis donc. Allez. Je sens que la vidéo va être en deux parties. Pour le résultat que je cherche. En fin de compte, le plus machin, c'est ça. Faire la fenêtre. Qui n'était pas prévu du tout. Ou plier à l'envers et mettre un... faire un accordéon. Avec la lumière, ça fait de l'ombre. Ben, c'est mon premier tuto en nocturne. Je sais pas quelle heure il est, mais... Ouais, mais je veux pas qu'en bas ça colle, moi. Ou alors je fais comme ça. Hein. Comme ça, ouais, faire comme ça, bah oui, voilà. Voir ce que ça va donner. Ah, il est pas assez collé. Ouais, on voit pas beaucoup hein, quand même, je trouve. Le double rideau. Je le fais quand même. Fallu un bleu plus foncé, mais je voulais ou alors mettre une tulle à la place de ça. Bon, c'est pas ça, mais il y a l'autre, et oui, allez, c'est parti.
Ah, pas toi. Non, comme ça aussi. Ben oui. Non, fais comme tu fais, Annie, c'était bien. Je voulais faire des volets, tiens, ça me donnait. Mais alors, si je fais les volets, ça fera trois vidéos, peut-être. Ou alors, la vidéo, ça sera peut-être moins long. Là, c'est pas évident, hein. Avec les. Les piques. Ou cure-dents, piques. Ce que vous voulez, là. On l'appelle différemment, mais c'est la même chose. Voilà. On voit quand même qu'il y a le double rideau. Non? Avis, répondez-moi, rassurez-moi, au secours. Et ça sert bien, les petits carreaux. Alors, maintenant, on attaque. Je vais te mettre de côté. Voilà. Allez, on part à l'attaque. J'espère que vous voyez bien comme ça. Beaucoup de travail pour moi. Ça me demande beaucoup d'efforts. David, je sais que tu parles anglais, mais le traducteur, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui est pas normal? Je filme pas en train de faire. Je dis à chaque fois balayer par terre ou passer l'aspirateur. C'est du travail, ça. En train de réfléchir, excusez-moi. De chaque, ça ira.
Ou si je le colle par-dessus. Là. Je fixe la hauteur. Ah, je coupe le tissu derrière, ça fait de l'épaisseur, ça qui gêne. Quand je fais de l'épaisseur. Je me concentre, excusez-moi. Pareil après avec le brou de noix, je passerai une fois que ce sera terminé. Mais pas maintenant. Il faut aller chercher, il fait nuit dehors. Et je ne sors pas dehors. Non. Je mets trois crottes, hein. Comme ça. C'est de l'improvisation totale, hein. C'est pour ça que vous me voyez. Gna, 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 gna. Façon de parler, excusez-moi. Je suis en train de réfléchir. Il faut combien comme ça? C'est qui? Nénette? Oh, ma pauvre. Bah, t'attendras un peu, hein, pour le traitement. Attends. Ah non, là, je peux pas faire pause. Désolée. Ça aurait été bien hein, si je pouvais faire pause, mais là, je peux pas. Désolée, ma nénette. Reste un peu enfermée. Oh. Toi aussi. Surtout qu'il fait nuit, là. Il se passe beaucoup de choses, la nuit. C'est mieux que vous restiez dans les maisons, hein. Tout ce qui se passe. Si les gens savaient... Nénette est capable de s'abîmer sa bouche qui est déjà esquintée. C'est terrible hein, d'avoir un chat comme ça. Hein. Je vous dis pas dans un panier de transport. Hein. Nénette, je vais me fâcher. Non. Non, 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 non. Il y en a, je vois, ils coupent les bâtons avec des ciseaux. Ça veut dire qu'ils sont pas assez costauds pour ça. Oh mince, dommage. J'ai vu, il y en a, ils ont comme un stylo et debout, c'est comme un cutter, ça fait une petite pointe. Ça doit être bien ça pour couper. Oh mince. Est-ce que j'en ai pas un autre? Ça, c'est le ciseau qui coupe pas.
Là, quand on n'est pas bien équipé. Ok. Je pensais qu'avec le gros ciseau, ça couperait les bâtons en bois. Ben non. Mince. Et je vais pas abîmer le ciseau, hein. Encore mon histoire de couteau, là. Trois plombes. Je suis désolée, mais là, ça me stresse. Ah si, j'ai le petit cutter. Mon fils, il m'a pas en plus, pardon. Mon fils, il m'a pas encore changé la lame du cutter. Mais ça, j'ai pas confiance. J'ai pas envie de me blesser. Bon, il est où aussi le cutter? Je l'ai mis où là? Je suis tellement mal depuis ben, ce matin, hier soir. J'ai rien mangé depuis hier soir. Ah, je pense que celui-là de mon fils. J'ai emprunté. Sinon, je vais pas y arriver, moi. Demain, je suis encore là. Hein. À minuit, on est là. Hein. Oula, son cutter aussi, il a un coup, lui. Ouf, pou, 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 pou. Tac, tac, tac. Et moi, je suis en train de galérer. Il y a encore 4 à faire. Je vous dis pas. Attention au tapis en silicone. Hein. Pas envie de le couper. Hein. C'est un cadeau très utile. Hein. Comme moi, j'ai pas les plaques en verre comme beaucoup ont. Même si c'est rayé, tu nettoies. Hop, moi, je trouve ça c'est pratique. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Bien pratique hein, le silicone pour les colles chaudes. Toi et toi, ta notification là, laisse-moi tranquille. Ça m'intéresse pas. Attends, nénette! Attends un peu! Va t'allonger sur la chaise! Oh! Non, c'est pas ceux-là. Oh, je vais y faire une bêtise. Ah, oui, je ferai en deux vidéos. Ça va vous faire vraiment long. Bon, une heure de vidéo, oui, ça va, moi. Bon, personnellement, quand quelque chose me correspond, m'intéresse, qu'il y a des choses que je n'aurai jamais, je vais regarder. Hein. Ça peut durer 2 heures, 3 heures. Je fais une petite pause et j'ai ce que j'ai à faire. Je vais aller au petit coin, je vais boire un coup. Bien que j'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi. Allez, voilà quoi. Ça ne me dérange pas quand quelque chose me va, je regarde. Si c'est le soir comme ça, et une journée comme j'ai passé, je vous avoue que là, je pourrais pas tout regarder, même en plusieurs fois. Est-ce qu'il va se casser correctement? Oui. Surtout ça. Hop. Encore deux. Hein? Oui. Vous voyez le temps que je perds? Enfin, j'y pense, c'est juste sont devant les lames de cutter. Tellement de choses on a, parce que je suis pas toute seule. Tellement de choses en tête. Voilà. Ce
C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Et vous saviez. Ah, reste là, toi. J'espère que c'est le bon coupé, le bon côté. Parce que là. Est-ce que c'est le bon côté? C'est pas grave, ce sera de l'autre côté. Allez, hop là-bas, toi. Pas je te mélange. Donc, ça c'est le bon, et ça c'est l'autre que je dois garder. Et à la base, je voulais le faire avec les bâtons, mais plus simple. Et j'ai envie de faire une petite fenêtre. Après, j'ai eu non. Une fenêtre, il faut quand même quelque chose pour faire. Ben, j'ai oublié l'emballage des tomates cerises. J'ai oublié aujourd'hui, c'était pas mon jour, mais pas du tout. Oh, voilà, puis je le casse encore mieux. Tiens, voyez, j'ai cassé le cutter qui va pas pour ça. C'est épais, mine de rien. Ben tant pis, je vais prendre un autre. Je vais prendre un autre. Petite maison dans la prairie. Hein. Ah, je vais la faire. Hein. Ça me tient à cœur. C'est comme le cerf. Hein. Faut que je le fasse. Ça, ça sera pour moi. Ça sera exposé dans la maison. Et deux. Et derrière le cerf, il y aura le prénom de ma grand-mère. Voilà. Là, faut pas que je rate. Là. Ben dis donc, je vous dis pas. Je vous dis pas. Et ce truc qui fait que de bouger. Alors. Bon, ça par contre, toi tu vas. J'ai pas envie de me couper. Les bâtons de machin là. Lui continue à chauffer, mais il a plus rien dans le ventre. Il me reste des bâtons de colle au moins, moi. Ah oui, et moi, ah oui, deux. J'espère que je pourrai finir la création avec les deux. J'espère vraiment. Alors, la petite fenêtre avec son carreau, comme Caroline, hein, quand elle dit à Charles, non, c'est Charles, il faudrait des carreaux, hein. Tu le mérites, hein. Tu mérites le meilleur. Charles. Rideau, double rideau. Donc maintenant, des fois c'est les petites choses, les petits détails qui sont les plus gras à faire. Bon, je vais commencer à coller les uns avec les autres, sinon on sort pas de l'auberge. Merci pour le tapir. Regarde, je peux, tu vois. Je peux faire ça. Je peux faire le collage. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien, hein. Je crois.
crois que j'avais dit 2, hein, pas 3. Hein. Pas de bêtises, toi, Annie. Hein. À pas faire de bêtises, hein. Et oui. On va mettre au niveau ici. Ben non. Qu'est-ce que tu racontes? Faut que ce soit le niveau de là. Hein. Ben oui. Bon, je sais comment je vais faire, sinon je vais faire des bêtises. Improvisation totale. Allez. Je vais mettre les 4 pour faire la largeur de la fenêtre. Désolée pour la lumière, je peux pas faire plus. Je vois que ça fait de l'ombre, alors je fais attention que au moins que vous voyez, même s'il y a les ombres. Les ombres. Je sais pas comment vous faites vos cœurs là. Bref, concentre-toi, Annie. Je vous envoie un cœur à tous et à toutes. Un gros cœur. Même pas faim encore, hein. J'ai l'estomac complètement. Là, ils savent ce que c'est. Mais moi, c'est pas pour les mêmes raisons. Il y en a, ils savent ce que c'est. C'est affreux. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux faire. À peu près. Surtout que ce soit droit en bas, parce qu'après c'est pas grave, la fenêtre ça s'aillera, donc j'aimerais bien faire un petit volet, ouais ça ferait joli, avec un petit volet à moitié ouvert les deux, je testerai. Voilà, oh oui là c'est pas droit, je ferai un bon. Hop. Là, il fasse le haut aussi. Et oui, Annie, il y a le haut là, hein. La maison, hein. Un courant d'air, hein. Et t'as failli, ma petite. Et oui, c'est du boulot, c'est de l'artisanat. Ça vaut des poupousses, s'il vous plaît. Je fais pas le ménage. Pitié. Des pouces, des pouces. Je vais recommencer à couper, comme j'ai fait. Voyez devant moi, je vais me gronder mon fils. Faut que je lui dise. Hein. Vous voyez, je pourrais faire avoir mes affaires à moi. Il va en avoir besoin pour son bricolage. Oh là là. Annie, elle est mal. Oh purée, j'ai carrément. Alors, bah oui, mon stylo il est là, c'est normal. On continue, hein. Allez.
pas fait exprès. C'est pareil que le truc blanc là, faut que je redonne. 2. Les chutes de bois, je vais pas les jeter, je fabriquerai des petits trucs. Je demanderai le bon cutter, les lames qu'on m'a offert, en espérant que ça ira. Il en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, allez. On y va. Pas que ça se recasse. Hein. Quelle perte de temps. Excusez-moi. Je pensais pas que c'était solide comme ça. Et quoi, on peut couper ça si quelqu'un sait? Est-ce que même le gros cutter là avec les lames qu'on m'a offert, ça va aller? Là, ils ont des pinces, pouf, pouf! Pourtant, c'est pas un rondin de bois, mais je vous assure qu'ils sont solides. Hein. Tant que je mets, ça me... Là, j'aurais bien mis en accéléré. Je vous demande pardon. Vraiment. Alors si j'ai pas beaucoup de pouces pour ce que je veux faire, et ben vraiment, hein, ben je vous plains. Vous savez pas le mal que je me donne et l'état que ça se met, que ça me met. D'autres que je dirais pas, c'est privé. Je suis pas en train de faire des pâtes à la bolognaise avec une bolognaise toute prête. Je dis toute prête, attention. Hein. En boîte là, toute prête. En bocal. Ce que je fais là avec les moyens que j'ai, c'est du stress. C'est du boulot déjà, du stress. Alors qu'il faut pas. Déjà que la journée que j'ai passée, la nuit et surtout la journée, ça accentue la journée. Il faut pas du stress, moi. C'est pas le pistolet à colle, maintenant c'est pour couper des bâtons de glace. Ah ben, Annie, courage. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais... Allez, pépé, qu'est-ce que tu fais là? Donc, il y en a 3. Est-ce qu'ils sont à peu près pareils? Encore le dernier. Eh ben, c'est vrai, un menuisier, un plombier. Un carreau, si t'as pas les bons outils en main, ben, tu clafouilles, quoi.
À la limite, tu laisses tout tomber et tu... C'est bon. Bye bye. C'est vrai, hein? Même pour couper des bâtons de glace, je pensais pas. J'allais t'embêter comme ça. Bon, ben, ils sont pas droit droit, mais ça fera, hein? Déjà. C'est le temps que c'est. Donc, alors, là, toi, le cutter, il est bien fermé. Oui. Couteau à côté, pas se blesser. Le stylo à côté. Le petit ciseau. Faut essayer d'enlever l'épaisseur derrière. Elle s'est calmée, Nanette. Dans un moment, elle va faire moins, elle va gratter à la porte. Bon, ça va le faire, hein, quand même. Ah, oui. Je me trompe, mais non, comme ça. Oula. Comme ça. Ouf. Non, que je te dise pas de bêtises, moi. Bah oui, les doubles rideaux, comme ça. Comme ça. Il y en a, ils font comme ça. Oui, c'est comme ça. Bon, eh ben. Dis donc, hein. J'aurais pas fait une bêtise, moi. Ben si, j'en ai fait une. Oh, je le prends comme ça parce que sinon, je laisse tout tomber. Oh, ben, l'autre qui se décolle. C'est très bien, décolle-toi. J'ai oublié d'en couper un. Ben oui. Pas assez grand pour la fenêtre. Fais des bêtises, moi. Ah, ce tuto-là, j'espère qu'il aura beaucoup de likes. Beaucoup, ça veut dire des appuyer sur la vidéo et des commentaires, hein. Parce que je vous dis pas là. Ah. Pas droit, c'est pas grave. Alors, la fenêtre cette fois-ci. Pourquoi il veut pas couper? Ce serait bien, peut-être que si, il a moins d'épaisseur. J'ai pas envie de le ciseau qu'on m'a offert, j'ai pas envie de l'abîmer, moi. Celui-là est trop haut par rapport aux autres. Ça va pas aller. Bah oui. Bah oui. Couper qu'un cutter comme ça, laisse tomber. J'ai réussi à le casser, dis donc. J'aime pas quand c'est pas mes affaires. Je suis encore plus mal. Allez, coupe, s'il te plaît. Excusez-moi, je cadre pas, mais là, si vous saviez, j'espère que le résultat va être bien et que ça va vous plaire.
Bon. Tout ce qui dépasse, c'est moche. Oh, je le ferai après, sinon que je pense à vous. Oui, ça aurait fait joli comme ça, mais bon, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Eh ben, heureusement, dis donc, Annie, t'allais faire une grosse bêtise là, ma grande. Allez, est-ce qu'il reste de la colle? Ouh. Allez, l'avant-dernier. Si j'ai déjà assez pour faire cette création, ça sera bien. Ça serait vraiment bien. Ah, faut que j'enlève ce qui est en trop. Sinon, pour couler, je vais avoir du mal. Quand tu improvises comme ça, c'est du boulot. Et quand... Enfin, bref, vous avez compris, hein. Enfin, j'espère. Bon, on va faire le système de Monsieur Pistolet là, mais oui. Et là, toi. Ah ouais, mais ça a déjà collé, dis donc. Il n'y a plus qu'à enlever et à recommencer. Ben, dis donc. Que je sèche vite la colle. Mais quelle galère. Soit pareil, et toi là, toi aussi là, tu descends et tu te mets là. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Je vous dis pas, c'est la bagarre, hein. C'est la bagarre, c'est la bagarre.
J'ai une solution, hein. Cutter pas adapté, mais j'ai pas. Ouf. Faut pas que je casse le reste de ligne qui lui reste. Hein. Il va voir qu'il en manque un bout. Une heure de vidéo. Oui, je vous avoue, je suis en stress. C'est pas bon, j'ai pris mon médicament tout à l'heure. Faut pas que je surdose. Non, c'est pas là, c'est là que je voulais faire. N'importe quoi, nettoie. Oh. Concentre-toi. La vidéo finira quand même. Est trop gros, trop long. J'en veux un plus petit, moi. Un plus petit. Ah. Non, mais. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Non, je continue de faire sur le côté. Quel bazar! Mais quel bazar! Galère, oui, pas bazar. J'ai pas le temps de faire la décoration et machin. 1h13. Je
Je sais même pas si... Bref. Il n'y a pas un autre là. Deux. T'as l'air petit, toi. Comme les vues, il y a beaucoup d'aveugles qui sont devenus aveugles. Partagez, s'il vous plaît. Elle tombe toute seule. Partager ma galère, comme on dit. L'autre il tient pas. T'as peur de trop mettre de colle, ça tient pas. Ah, lui, vraiment, il cause du stress, ce pistolet. Eh ben, j'espère que Youyou va me faire passer ma vidéo. Hein. J'espère. Hein. Il y en a, ils font des vidéos de 2-3 heures et ça passe. Alors, je vois pas pourquoi. Hein. Est-ce que celui-là, ce serait pas mieux?
c'est derrière ou... Oui, j'ai eu peur. Façon de parler quand je dis ça. Hein. J'ai mis un coup de stress, voilà. Bah oui, c'est vrai que je fais sur l'arrière. Ouf. Donc, et ça là, ça va pas. Toi là, je vais t'y faire quelque chose, moi. Hein. Je te le dis. Tu vas pas m'enquiquiner. Hein. Je vais te trouver un système D. On va dire donc. Sans commentaire. Vous ferez des petites pauses en regardant la vidéo. À moins que ça vous détende de voir ce que je fais, même si ça dure longtemps que Agnès prenne la tête. Peut-être ça vous détend. Mais tant mieux, hein. Vraiment tant mieux. Parce que moi, ça ne me détend pas. Fait la misère, lui. Ah, je vais t'y trouver solution, moi. Hein. T'inquiète pas. Hein. Toi, tu restes là. Tu t'en vas pas, s'il te plaît. Sinon, je te fais comme l'autre fois. Voilà, donc. Pas de problème. Bon, pas m'enquiquiner. Les doigts pleins de colle chaude. Ça te gêne. Oh, ma pupus. On a entendu bien les grues tout à l'heure, plusieurs fois. C'est signe divers, ça. D'accord, oui, je suis obligée de l'enlever que après. Hein. Sinon, je risque de faire des bêtises. Toi, je crois que je t'ai mal mis ou je t'ai bien mis. Je ne sais plus, je ne sais plus. Eh ben, je te dis, faut le voir, faut le vivre surtout, pour le croire et le sentir, le ressentir. Je vous dis pas. Alors, maintenant. Est-ce que ça va vouloir, hein? Je serais capable de m'enquiquiner même pour... ça.
attendre, au lieu qu'il y a plus de colle. Oh, si ça restait comme ça ferait joli au-dessus. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça ferait joli si ça reste comme ça. Je sais pas pourquoi ça me plaît. Tu veux bien rester comme ça? Tu deviens pas mat, tu restes comme ça, s'il te plaît. Ça me ferait plaisir. Hein? Si tu veux bien. Alors, hier, je te remets un petit coup. Tu dis un petit coup, pas à plein, comme ça. Oh. Ah ouais, si tu pouvais rester comme ça, ça serait super. Je sais pas si vous voyez. La lune qui brille sur le toit. Poignée, n'importe quoi. Bon, allez, on continue. Hop. Hop. Ouais, ça fait toujours comme s'il y a la lune qui reflète sur le toit de la maison. Mais j'aime beaucoup. C'est tout bête peut-être ce que je dis, hein. Mais ça va peut-être blanchir, bah oui. Et tu brûles pas, hein? Tu fais joli sur le toit, s'il te plaît. Oh, je t'ai touché, mais là, ça va plus. Comme une demi-lune. Le reflet d'une demi-lune qui se pose sur le toit. C'est mon imagination qui voit ça, hein. Le reflet de la lune sur le toit. Ça sera enlevé. Tu restes comme ça, s'il te plaît. Tu es fait joli comme ça, s'il te plaît. Voilà. Et pep, 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 pep. Il est où? Il est où? Il est où? Non, c'est pas les, il est où le lavabo, hein? Je vous rassure. Ah oui. Pendant qu'il sèche, je vais le mettre debout. J'aime bien comment ça fait. Je me suis donné du mal, hein, mais franchement, j'aime bien. Ah, j'aime bien, ouais. Je me détends. Faut pas que je regarde l'heure, sinon je ne vais pas me détendre. Avant-dernier bâton de colle. Hein. Oh là là. Je fasse vite. Je voudrais tout finir. Merci pour les bâtons de colle, si tu savais. Bien les coller, ça colle bien ensemble surtout. Et il en faut en mettre 3. J'ai envie d'en mettre 3 pour que ça tienne bien, parce que tu as la structure en haut là,
Pourquoi ces petites bébêtes là? Tu devrais être dehors, toi. T'es quoi? Ben voilà, t'es plus. T'avais rien à faire là, hein? Oh, c'est les comment? Ah, comment ça s'appelle là, les. Ça sent pas bon. Oh, il y en avait un hier. On dirait des bourdons, des frelons, les pinces à oreilles, voilà. Oh là 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 là. J'espère qu'il est parti, lui. Parce que des fois, ça se cache. Hein. C'est une maison ancienne. Hein. Vous avez beau enlever les toiles d'araignée, ça revient. Bah, pupus, il t'arrive. Et là, j'ai envie de renforcer. Ah oui, faut que je te donne ton médicament pour les puces. Ah, j'en ai profité. Les puces et les vermifuges. Ah oui. Tiens droit, il n'y aura plus de boulettes après. Fais du tam-tam, pupus. Oui, je ne sais pas si vous voyez ce que je vais faire et maintenir. Par des petits bouts pour consolider la base. Pour consolider la base. Ah, purée. Je vais l'abîmer le ciseau, j'ai pas envie. Consolider la base. Moi, je vois bien, j'espère que vous voyez que ça fait pas de l'ombre avec mes gestes. Si je fais ça, ben non, c'est pas de l'ombre, c'est ma main. Oh, Annie, t'es fatiguée, toi. Hein. Faut te reposer, ma grande. Hein. J'aime bien le rendu, franchement, je vous assure, et encore. Hein. Bon, comme je vous ai dit, j'ai galéré pour les petits trucs, mais bon. Vous voyez, quand j'arrive vers la fin, ça fait du baume en cœur pour le résultat que je vois. Franchement. Et bon, si je pouvais avoir quelque chose qui coupe bien les bâtonnets en bois, là, ça serait bien. Je perdrais moins de temps. Il n'y aurait pas tout ce stress aussi. C'est pas bon pour moi. Hein. Le cœur, il est fatigué. Là. Allez, encore un petit là. Pour forcer que ça tienne bien. Est-ce que je suis en train de faire là? Je vous dirai. Je pense que je vais continuer. Vous pouvez faire plusieurs thèmes différents. Tout thème d'ailleurs. Tout thème. Pas totem, hein. Pas bon ça. Tout thème. Tout T-O-U-S, thème plus loin, T-H-E accent 8, M-E-S. Voilà ma petite maison au fond. Non, ma petite maison. Là, va falloir qu'elle tienne. Ouais. Et dernier pot de colle transparent.
ceux qui ont à cœur de m'en envoyer. Ça sera très gentil de votre part. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'avec ce truc-là, il y aurait quelques années, ça ferait longtemps, je l'aurais balancé, croyez-moi. Allez. Ah, tu vas pas commencer, hein? Je vous dis. Je fais la bagarre. S'il vous plaît, des vues. Des vues. Des likes, des commentaires. J'en peux plus. J'avais un bâton tout à l'heure, mais il est passé où? Bon, peut-être ça va couler quand même. Tu parles. Que c'est pas bouché au bout. Avec le mal que je me donne et le rendu que c'est, l'imagination, s'il n'y a pas beaucoup de vues là, c'est désespéré de certains. Pas couler, hein? Bon, on va essayer. Parce qu'il faut que ça tienne aussi. Hey. Si tu mets pas assez de colle, la maison va pas tenir. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ni bobo au cœur, c'est pas pour rien. Là, j'ai mal. Non, ça a l'air de tenir. Oui. Attention, rajouter un peu de colle derrière, ce serait bien. Pourquoi tu veux plus sortir? Pourtant, je pousse. Et voilà, je pousse en haut quand. C'est pas pour m'énerver, ça? Pour que j'arrête? Eh ben non, j'arrêterai pas. Crotte alors. Crotte et crotte. Je colmate, comme on dit. Bah oui. Je colmate la maison. Hein. Je veux pas qu'elle bouge, moi. Je suis donné du mal à la faire. Allez. Bien colmater. Voilà.
C'est plus transparent, mais oui, pour moi, ça fait comme le reflet de la lune en haut du toit. Cherchez pas à comprendre, c'est dans la tête d'Annie. Alors là, attention. Moi, j'aurais voulu que ce soit bouché là aussi. Bah oui, c'est bizarre comme ça. Ça dépasse pas. Ben oui, je me disais bien, il y a un courant d'air. C'est derrière. Voilà, c'est ça que je veux. Bah oui. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? On va y arriver. Non, toi, tu restes là. C'est David contre Goliath, je vous assure. Mais lui, il a fini une pierre entre les deux yeux, hein, de ce géant-là. Ce Philistin. Mauvais comme tout. Allez, on y va. Là. Petit coup de colle là. Allez. Là, tu bouges pas, hein, s'il te plaît. Me donne du mal quand même. Oh. Un peu de respect quand même pour moi. Non? Tu es tout joli. Attention à mes doigts. Hein. Sur les doigts, mamie Annie, ces vieux doigts là, les tiens. Là,
en haut. Quelle galère. Si je mets ce bout là, est-ce que ça va faire l'autre côté? Ouais, ça va le faire. Allez, hop, je te mets là, hop, voilà, j'ai du mal avec tous les fils, oh je vais avoir du ménage, oh pas demain, après-demain, je sais même plus on est quand, on est mardi, oh la vidéo. Oh là là. Voilà. Normalement, je vais, si je fais pas ce soir, à la fin, t'accroches une ficelle à machin, c'est pour suspendre. Hein? C'est un truc à suspendre. Bon, là, il est un petit peu penché. Je ne le touche plus parce que sinon, il va se casser la figure. Vous voyez, il est... Hip. Ou alors c'est moi. Oh non, c'est peut-être la table. Non. Là, c'est fait pour être accroché. Regardez, le reflet se fait joli. Bon, Annie, tu t'y mets maintenant? Allez, c'est parti. En espérant, t'auras assez de colle, ma grande, pour faire ce que tu veux faire. Hein. Ça te tenait à cœur tellement de le faire. Il est où mon hôte? Oh. Pio, 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 pio. Je vais le remettre là. Et voilà. Pas m'embêter. Hein. On va couper. Regarde toutes les petites fleurs en plastique. T'as vu à quoi ça sert? Ça curgite, Annie, dans sa tête. Normalement, ça devrait aller. Ah oui. Ça va le faire. C'est pratique, ça. Et tiens... Pour faire des petits bouquets de fleurs, ce serait pas mal. Non, je t'ai pas dit de t'en aller, toi. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal. Tu te fais ton petit bouquet de fleurs ou de plantes, et ça, ça sert de... Ah Seigneur Jésus, ça sert de support. Je dis, ça doit pas être mal. Voilà. Après. J'avais les autres. Ah non, je vais mettre ça, tiens, dans les mêmes tons. Est-ce que ça irait peut-être dessus aussi, pourquoi pas? Est-ce que ça ferait joli? Ou comme ça? Je vais l'essayer comme ça.
La première fois, je touche d'entre mes mains des fleurs en résine. Comme quoi, faut pas désespérer. Regardez. Mais je voulais faire quelque chose avant. Avant que je mette la cocole. Eh ben oui. Je pense que vous avez compris. Voilà. Hey, fallait faire ça avant, Annie. Bah oui, mais tu savais pas. T'improvises alors, ma grande. C'est l'impro, ça. Vraiment de l'impro. Je savais pas que j'allais faire ça comme ça. Oh, ça fait joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement. Je vous ferai une vidéo une fois finie à la lumière du jour. Ça fait vraiment joli, hein. Il n'y a pas photo, comme on dit. Oh, ça colle. Alors. Ah bah oui, avant. Avant de coller, je vais débrancher. Et j'espère que j'aurai vraiment assez pour pour faire la décoration. Ah oui, parce que maintenant, Annie, elle va peindre. Et oui, et oui, et oui, et oui. Mes amis. C'était ça. Je ne vais pas en mettre 3 tonnes par contre. Vous comprendrez pourquoi après. Oh bah tant pis, j'ai peint le ce qui faisait office de lune, c'est pas grave. J'en mets pas 3 couches comme ce quand je fais. Les peintures acryliques. C'est la peinture acrylique hein, que Chantal m'a offerte. Merci Chantal. Gros gros énorme bisous. Tu me permets de démarrer dans quelque chose que je connais pas. Eh ben, ça va faire 2 heures dedans. Mais je pense que je vais pouvoir finir la vidéo. Si je peux pas la finir. Hein? T'aurais compris. Une fois que j'ai fini ça, je sais ce que je dois faire.
comment je vais vous mettre pour que je puisse bien, quand même, que je peigne correctement, hein. Boucher les trous. Je suis désolée vraiment de tout mon cœur, hein, s'il vous plaît, pour le cadrage. Vous savez, j'ai pas besoin de reproches. Là, j'arrive malgré la difficulté de faire ça. Si j'arrive à faire jusqu'au bout. Là. Ça fait de l'ombre. Comment je fais pour pas que ça fasse de l'ombre, moi? Pas évident pour moi. Ça fait de l'ombre avec la lumière. Oh bah tiens, bah oui. Bah oui. Peine tes petites fleurs là. Bah oui. J'ai son un petit peu de vert au passage, c'est pas grave. Hein. Pour comment celui-là, c'est un prototype. Donc prototype égale pour moi, toi. Des petits défauts, c'est pas. En plus, c'est pas des gros défauts, donc. Mais je le fais bien quand même parce que ma famille l'aura ça. Ah, tous ces fils, vivement que je les enlève là une fois sec parce que je vous dis pas. Ça, je suis en train de finir le vert qui était sur la palette. Vous avez vu comment on peut faire des palettes de, pardon, des palettes de récupération. Quand on peut pas en attendant, bah tu fais ça. Voilà. Ah, les fils. Les fils, les fils. Excusez-moi, je regarde de plus près. Voir s'il y a des choses qui vont pas. Voilà. Voilà ma petite maison. Je vais mettre ça pour pas tâcher là. Comment vous allez voir avec cette lumière? Je sais pas si vous allez voir quelque chose comme ça. J'espère. Ah si, le blanc il revient. La lune elle éclaire la maison. Faut que j'enlève les petites fils. Bon, ça, ce qui est collé, ça fait genre, hein. Et là, ça dépasse.
Hop, j'enlève. Bah, c'est la plus longue vidéo que j'ai faite, dis donc. Donc j'espère que vraiment qu'elle va passer. Maintenant. Faire des petits volets, ça aurait été sympa. Alors, c'est parti, Annie. Vas-y, sûrement, de bon cœur, de tout ton cœur, et ça ira. Ce que j'ai ramassé quand j'étais avec mon fils. Bah écoutez, hein, ça servira, hein, voyez. C'est maigre, hein, j'ai que ça. Je vais t'en mettre un petit comme ça, toi. Attends. Au milieu, oui, au milieu, bah oui, voilà, j'ai l'impression que ça se bouche. Je galère beaucoup pour cette vidéo. J'aurais bien le nombre de vues. Les cœurs sont durs, les cœurs sont durs. J'ai envie de mettre des coquillages blancs. Regardez, ça coule pas, hein. Mes galères méritent vraiment l'encouragement, hein. Et c'est pas mon genre, hein. Mais là, vraiment, il veut plus sortir. Faisons comme ça, peut-être. Du mal à sortir, c'est affreux pour moi.
La colle, elle est bizarre. Pas que je le fasse, hein, parce que ça va être beau, mais je vais le faire. C'est pas grave le temps, on m'en fiche en fin de compte. Je verrai bien qui apprécie ou pas. Marin. Il y a beaucoup qui auraient abandonné, croyez-moi. Dommage, j'ai pas d'autres sortes de coquillages. J'en ai un qui est original là. Je le mets trop lui. Je le mets juste. Excusez-moi pour le cadre.